Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait. Sur ce, bonne vidéo tout le monde. Salut à tous, c'est Amnèse. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau glitch dans le véhicule de poteau. Celui-ci, il va se réaliser avec l'agence. Donc, tout simplement, il va falloir se rendre à l'agence. Donc, en prérequis, il va nous falloir une agence du coup. Mais là, il nous faudra aussi sur Mesbank pour produire du coup une boîte de nuit. Ou alors ça lui fera l'arène. Voilà, je vous montrerai après où il se trouve. Donc là, moi c'est cette boîte de nuit là. Ensuite, en dessous sur Dynasty 8 exécutive, il nous faudra l'agence du coup, moi c'est celle-ci. Mais vous pouvez prendre n'importe laquelle des poteaux. Donc vous voyez, il y en a 4 en tout. Prendre n'importe laquelle, ça fonctionnera. Donc là, une fois qu'on a ça, c'est parfait, les poteaux. Donc là, du coup, l'arène, elle se trouve là, les poteaux. Là, voilà, si vous faire avec l'arène, mais bon. Comme les agents se trouvent vers le haut, mieux c'est avec la boîte de nuit. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc ensuite, il nous faudra les poteaux à centre d'opération mobile, qui se trouve sur Warstock. Et commande 3, dépôt de véhicule personnel. Dans ce dépôt de véhicule, excusez-moi, faudra mettre un véhicule à perdre. Donc à partir de là, c'est nickel. Moi, je me rends à mon agence, qui se trouve juste là. Et on se retrouve dès que j'y suis. Donc là, je suis arrivé à mon agence. Donc je vais me placer juste devant et là je vais rejoindre MTB Titano au moins 2-3 fois. Donc là je le rejoins, je récupère son détail. Sur ce message je vais refuser et je vais le faire 2-3 fois. Donc là vous voyez j'ai fait 3 fois. Donc là tout simplement je vais aller sur le rond bleu et dès que je vois la cinématique, je vais faire 2 fois le bouton PS et je vais le rejoindre. Donc là on va avoir ce message d'alerte. Et là, on va tout simplement attendre d'avoir le bruit de l'ascenseur. Dès qu'on a le bruit de l'ascenseur, vous voyez, j'ai accepté le message. On va attendre 2 secondes sur le dernier message. Et on va se retrouver comme ceci. Donc, on va se retrouver dans l'agence. Et sans la minimap. Donc là, ça a bien fonctionné, les poteaux. Je vais vous remettre ça en ralenti. Pour que vous compreniez mieux. Du coup, voilà, j'ai rejoint un TB 2-3 fois. Pam, je vais aller sur le rond bleu. Hop, dès que je vois la cinématique, boum, je pousse, enfin j'appuie 2 fois sur le bouton PS. Je vais tout simplement faire rejoindre, je vais tomber sur ce message d'alerte. Et là, dès qu'on entend le bruit de l'ascenseur, derrière, vous connaissez tous le bruit de l'ascenseur. Donc sur ce message, dès qu'on aura le bruit de l'ascenseur, on va accepter le message. Le deuxième, on va l'accepter aussi. Le troisième, vous voyez, j'ai attendu 2-3 secondes dessus avant de l'accepter. Là, on va se voir, enfin, la cinématique de l'arrière laser va être bégayée. Et on va se retrouver comme ceci, les poteaux. Donc, à partir de là, c'est parfait. Comme vous voyez, je suis bien bugué. J'ai plus la minimap. Donc là, l'ascenseur sert à rien d'y aller. On pourra pas sortir par l'ascenseur. Donc, à partir de là, tout ce qu'on va faire, tout simplement, on va se rendre devant le poteau là-bas, le secrétaire. Donc je me rends au secrétaire, je vais faire flèche de droite, et je vais faire sortir un véhicule personnel. Et peu importe lequel on prend, on va prendre un véhicule. Donc je prends un véhicule au hasard, je sors dehors, je me retrouve dehors comme ceci, et là je me rends tout simplement à ma boîte de nuit. Donc là je vais vous passer un petit peu ce moment. Donc là, une fois arrivé à la boîte de nuit, on va tout simplement faire pavé tactile et envoyer le véhicule personnel. Là, on va rester sur pavé tactile, les poteaux, et on va se rendre sur véhicule spécial. Et on va commander le Speedo Custom. Normalement, tout le monde l'a, si on a une boîte de nuit, on l'a automatiquement. Il nous le donne. Donc là, je commande mon Speedo Custom, puis j'ouvre la map, du coup, pour pouvoir voir où se trouve mon Speedo Custom. Donc là, moi, il se trouve derrière, là-haut, donc je vais aller le chercher.
Une fois arrivé à la boîte de nuit, tout simplement, on va se rendre devant le rond bleu et on va rentrer dedans. On va avoir un écran bugué comme ceci, les poteaux, et on va tout simplement faire triangle. Hop, ça va nous faire respawn comme ceci à côté de la boîte de nuit. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est commander notre RC Bandito, les poteaux, qui se trouve dans l'inventaire. Donc moi, là, j'ai un peu galéré, mais bon, voilà quoi. Donc là, y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, inventaire. Et ça, on va s'en véhicule téléguidé. On demande le RC Bandito. Donc, une fois qu'on spawn avec le RC Bandito, on va tout simplement faire triangle des poteaux. Une fois qu'on va respawn, voilà, tout simplement le personnage va clignoter. Ça veut dire que les poteaux qu'on est bien bugué. Du coup, à partir de là, les poteaux, il ne reste plus qu'à inviter notre ami et nous rendre sur le lieu du don pour commander notre centre d'opération mobile. Une buggy bien sûr, pour recevoir les véhicules. Donc c'est tous les potos, c'était Amnèse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao ciao les potos.